Voilà avec ceci. Dernière ligne droite pour les poissonniers et les vendeurs de crustacés. Ici, aux délices de la mer, le flux des clients est continu, même si le gros des ventes est déjà derrière eux. Noël est beaucoup plus important que le premier de l'an, ça c'est sûr, ça a toujours été. Les gens reçoivent, les gens sont en famille, donc les gens commandent. Et Nouvel An, tout est fait sur le dernier moment. C'est suivant comment on fait les étals et on donne envie à nos clients et tout part comme ça. Pour les poissons, le saumon, le bar et la lotte ont la cote pendant ces périodes de fête, sans oublier les incontournables comme les huîtres, les langoustines ou les crevettes, avec cette année un petit bémol sur la coquille Saint-Jacques qui, perturbée par une toxine, a du mal à se développer sur nos côtes. Tout vient de la Bretagne, donc la quantité est très dure à avoir, que d'habitude on avait vraiment un tonnage important, que cette année on ne l'a pas, donc on travaille que sur la Bretagne et quantité limitée. Traditionnellement, le volume des ventes de cette poissonnerie sera moins important pour le premier de l'an qu'à Noël. Mais ici, à la Tranche-sur-Mer, l'essentiel du chiffre d'affaires se fait l'été avec les touristes.